Ici au Champrou, entre le Racing Club d'Abidjan et la SEC Vosa. Oula! Beaucoup d'intensité dans ce match et beaucoup de commentaires ont fusé ici et là. Actuellement, c'est la sixième journée au Robert Champrou de Marcory. Et l'US Bafing reçoit Placida Benguigui. On va revoir les grandes actions de la première période avec vous sur Aplusivoire. Et démarrage de cette rencontre avec une première frappe d'un défenseur de l'US Bafing. Ce n'est pas cadré, mais on voit déjà les intentions des garçons de Ouattara Karim. Oui, c'est Maïga qui suit un coup qu'on n'est pas bien frappé, qui reprend ce ballon comme un vénère. Toujours l'Asie d'Abengrou et puis là. Ah, le pénalty. Le S Bassam. Le non. Gardien de l'Asie qui marche sur le pied de voilà. Joueur de. Pas très bien frappé, voilà. Mais repris encore par le même Maïga, ce défenseur central. C'était pas très très bien frappé. Carrément dans l'axe de la part de Traoré. Non, c'était pas bien frappé. Malheureusement. Tu as un défenseur qui suit le ballon. Voilà. Et le gardien, lui, quand il récupère le ballon comme ça, il a le temps de bien se coucher pour permettre à ses garçons de la saisir. En même temps, ce n'est pas des occasions, je veux dire. Voilà. Et on voit une autre action de l'US Bafing. L'action n'est pas allée au bout. Hein, c'est des voilà. demi-actions comme ça. Et possibilité de rentrer dans la surface des réparations. Rodi Kouadio. On va se manquer. Et la frappe à côté de l'habitant. Heureusement que le gardien Zombra a suivi, même oui, si le gars n'a on voit le travail de Moriba, ce centre en retrait, pas bien frappé par Oussou, c'est pas ce qu'il voulait faire. Non. Et puis après, la frappe derrière, elle n'est pas assez appuyée pour mettre à défaut ce gardien. Je veux dire qu'il n'y a pas eu d'occasion franche, on va le dire. Hein, pour l'Asie d'Abengourou. Pour l'Asie d'Abengourou. Que va faire l'Asie pour revenir au score? On va le savoir avec le capitaine Angama Romeo au micro d'Adam Khalil. Oui, c'est lui qui a repris le brassard. En cours de jeu, le capitaine Mandjou étant blessé, on va demander quelles sont déjà les nouvelles de Mangui. Oui, il va bien. Va bien. Bon, est-ce qu'on peut penser que cette seconde période-là, l'Asie va donner fort pour revenir à la marque et ensuite, pourquoi pas gagner ce match? Oui, c'est ce qu'on va faire parce que là, nous sommes venus pour gagner. Voilà, il faut qu'on arrache les 3 points. Voilà, donc, on va encore doubler d'efforts pour mieux faire dans cette seconde période. Voilà, afin que la victoire soit de notre côté. Allez, bon match, bonne suite de match. Merci. À redoubler d'efforts afin que la victoire soit de notre côté. Nous, on veut bien voir cela. C'est ce qu'on demande. Nous, on ne demande que ça. Voilà. Redoublez les efforts, mettez-nous des buts, qu'on se régale. On en a besoin. Seconde période, position, US Bafing. Asie d'Abengourou, notre content pour la sixième journée de la menace Ligue 1. Mesdames et messieurs, de la première partie. Début de la deuxième période de ce US Bafing Asie d'Abengourou. Il faudra se battre pour gagner parce que dans cette poule, les places sont serrées entre les 2e et 7e places. Et nos adversaires du jour se doivent de faire beaucoup mieux pour l'heure. L'US Bafing mène 1-0 devant l'Asie d'Abengourou. Et déjà, un joueur de l'Asie est étendu. Kouadio Rodi, Sylvestre. Il faut se lever. La bataille vous attend. Pas rester sur l'aire de jeu. Il faudra se battre. Voilà, il est sorti pour se faire traiter rentrer de touche. C'est les deux hein, qui vont au contact. Après, comme tout contact, il y a un qui résiste plus que l'autre. Ce qui est arrivé, c'est celui de Bafing qui a résisté. Rodi est resté par terre. Mazou. Connaît Meïté Nabil. Nabil Meïté pour l'Asie d'Abengourou. Dans la profondeur, le 1-2. Le 1 a réussi par le 2. Dembélé. Le retrait pour Baba Yaya. Il n'est pas arrivé chez le destinataire choisi. Rodi Kouadio. Rodi. Voilà, il va se faire stopper net. Et l'US Bafing avec Dembélé va tenter d'amorcer un contre, il sera stoppé. Kwame Issa, Diabaté Alassane Adams, Veraka Kwasi, Aboubakar, Meïté Nabil. Nabil a bien protégé son ballon et trouvé Mazou Koné, qui envoie un long ballon et cherchait Angama Romeo. On va dégager. Mustapha Konaté. Voilà, tranquillement, l'US Bafing combine, on joue dans la profondeur. Un peu difficile, c'est pas un bon choix ça. On va continuer encore à travailler. Samassi,
avec Ousulana Samassi. Il a la pression de Diarra Souba Mohamed. Heureusement que avec sa passe latérale, il a trouvé son libéro. Taka Kwasi qui va revenir vers Kwame Issa. Sinon de la Zida Benguru. Kwame Issa. Difficile hein, de trouver la possibilité. Il va monter un tout petit peu. Ngama. Bombeo Ngama. Ça passe à contrer. Diarra Souba Mohamed. Avec Baba Yaya. Ngama descendu venu mettre la pression. C'est bien de donner l'exemple comme ça en tant que capitaine. Ouais. Faute pour l'Asie. Ouais, mais Ngama à force d'effort autant de fois. J'ai peur que s'il a une occasion, il n'ait pas la lucidité qu'il faut devant le but. Ah, mais c'est ça. C'est voilà, ça qu'il faut c'est ça aussi le problème. Descendre pour venir aider, c'est bien. Mais et après, l'Asie d'Abengourou. Ah, il a tenté un passement de jambe là. Ce joueur de l'Asie. Par ici. Ah! Attention. Attention, Baba. Baba Yaya. Tambélé en fixation. Non, la passe n'est pas bonne. Pas bonne. Diarra Souba Mohamed. Face à Fred Samassi. Baba Yaya, Baba, Diarra Souba. Ils ne sont pas compris là. C'est difficile. Et Ousulana a une possibilité de remonter avec le ballon. Maintenant, il va jouer sur qui? Heureusement que dans sa défense, Maïga Ismaël était là. Baba, attention, Baba, attention. Ce gagnant. Attention. Fait plaisir à voir jouer. Attention. Dembélé, du gauche, il peut frapper. C'est pas cadré, mais c'était bien essayé. Le gagnant, Baba Yaya, numéro 19 de cette équipe de l'ES Bafing. Beaucoup de bons ballons viennent de lui. Oui, il a beaucoup d'activité sur le terrain depuis déjà la première mi-temps. Et là, il continue. C'est lui, c'est on va dire le métronome. Hein. Voilà, encore lui. Là, Baba. C'est un bon ballon. Baba. Ça, c'est un bon ballon. Baba. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Aïe, aïe, aïe. Ouais, on peut comprendre aussi, hein, parce qu'il aura, tant donné. Et après, on se perd un peu dans ses dribbles. La lucidité dans le dernier geste. Mais qu'est-ce qu'il est actif, ce joueur? Et il ne se complique pas le jeu. Hein. Une, deux touches. Voilà. Fais ce qu'il faut. Diabaté Alassane Adams dans le milieu de terrain pour l'Asie d'Abengourou. Il trouve Meïté Nabil qui protège bien son ballon. Meïté est stoppé par Konaté Mustapha. Ah, il est costaud dans ce milieu de terrain. Il est costaud. Kodo Kwaku, Diarra Souba Mohamed, Diarra Souba avec Dembélé en fixation. Rodi, Diabaté Alassane Adams qui va obtenir la faute probablement. Non, la but. Oui, là, cette fois-ci, il va siffler. Ah, le match a pris un peu en intensité. On voit que l'Asie a réellement envie de revenir au score. Ah là là. Ça a dû chauffer dans les vestiaires, hein, je peux vous l'assurer. Et justement, hein, l'Asie qui est en train d'activer déjà Anouba David à partir du banc de touche, très vite, il va rentrer. Anouba David Isaac venait occuper un couloir, peut-être à la place de Rodi Guadio Sylvestre. Peut-être. On va remettre le ballon en jeu puisqu'il a touché l'arbitre, le centre. Luis Bafing. Dembélé. Dévancé. Ousunana. Baba Yaya est venu se battre. Oui, il a fait un gros match aussi. Hein. Ah oui, lui. Baba Yaya. Regardez. Au milieu de terrain, ils ont l'ascendant au milieu de terrain. Entre Baba Yaya et le numéro 6, Konaté Mustapha. Quel gros match. Ah ouais, ils ont pris l'entrejeu en réalité. C'est là qu'ils gagnent le match. C'est eux qui sont les dominateurs pour l'instant au milieu de terrain. Avec un Oussou Konan un peu en dessous. Et lui, je peux vous dire que c'est le métronome de cette équipe de l'Azou. Aujourd'hui, on ne le voit pas assez. Et on sent dans son absence. Je veux dire, il est sur le terrain, mais son absence au plan du jeu. On le sent. Pendant que Godo Kwaku Ambrosino, capitaine de l'US Bafing, va remettre le ballon en jeu. Il cherchait Dembélé. Regardez Traoré Salif. Voilà, Ousou Nana. Doucement. Le jeu se passe dans un bon esprit. Voilà, il ne faut pas
parvenir par un geste d'anti-jeu, casser ce bel esprit. Il ne faut pas se fâcher, c'est bon, il faut vous lever, monsieur. Tiens, voilà. L'Italien est en train d'écouter l'arbitre. Voilà, expulsé. Si vous continuez comme ça, je vais vous expulser. Semble-t-il dire, semble-t-il, je dis bien. Il a fait de grands gestes, ah ouais. L'arbitre. Vas-y, qui récupère. Diomandé Moriba. Dans la profondeur, on cherche Rodi, le coup de tête, c'était pas suffisamment appuyé parce que là, l'Asie pouvait revenir au score. Si c'était bien appuyé. Et l'Asie qui récupère. Le mauvais dégagement de Zombra Ousmane. Ngama. Meite. Meite va bénéficier d'un coup franc. Un bon coup franc. Un bon coup franc pour l'Asie. Il peut bien frapper en 3. Hein. Anouba David qui va peut-être faire la différence. Alors il va remplacer Rodi, comme je l'ai dit. Guadio Rodi Sylvestre. Anouba David qui est sur l'aire de jeu. On peut jouer le coup franc maintenant. C'est la frappe entrant. C'est la frappe entrant ce coup franc. Oh, premier poteau. Le problème, c'est qu'ils ne profitent pas bien des coups de pied arrêtés. Non, c'est difficile ce qu'ils ont tenté là. Ah, je sais pas. Meite, le centre de Meite. C'est détendu de tout son long, Zombra Ousmane. Et, il va rester tendu, il va profiter. Oui, il va en profiter. Voilà. Il ne fallait pas aller le toucher là. Voilà. Et sous le banc de l'Asie, hein, la rentrée de Anouma David, qu'est-ce que ça va changer dans la profondeur du jeu? On a mis Isaac David pour plus de percussions dans le couloir droit. Parce que là, il y a Rodi qui n'était pas trop dans son match ce soir. Donc David rentre, lui avec sa vitesse, il est bon balle au pied. Je pense qu'il va donner plus de percussions dans son couloir là. On espère. Les Baffing va effectuer 3 remplacements. Attention. Un, 2 au milieu de terrain et 1 en attaque. Voilà, récupéré par Anouba David Isaac. De l'entrant, il cherchait dans la profondeur en gamant son capitaine. Faute. Faute sur cet attaquant qui s'est beaucoup dépensé dans cette rencontre. En tout cas, ça. Peut-être qu'il faut rappeler que les équipes ont droit à 5 remplacements au total. Ouais. Ça leur donne une bonne marge de manœuvre. Tout à fait. Mais en général, les entraîneurs, ils n'aiment pas trop. Nazi, en phase offensive. Ah, le ballon va être dégagé et récupéré par Baba Yaya, le gardien. Baba, dégradé. Une fin de corps, une passe. Non, il joue, c'est très simple et c'est très précis ce qu'il fait. Regardez, voilà. Il cherche dans la profondeur d'Embélé. C'est simple et c'est précis ce qu'il fait, ce Baba Yaya. Voilà. Je pense que malgré les remplacements, il faut le maintenir sur l'air de jeu. Ça ne complique pas hein, le jeu. Voilà. Il est d'une simplicité. Ousmane, ah, il a la pression de Dembélé. Non, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Ousmane aujourd'hui, il n'est pas dedans. Ça, recule maintenant, recule. L'équipe a intérêt à le sortir. Je ne sais pas si on. C'était la pression de Traoré. Amadou du Racing de l'US Baffing. Et du côté de Baffing, Traoré Salif qui va sortir avec Zongo, il va nous expliquer ces 3 remplacements que vous vous apprêtez à faire. Oui, on fait sortir Traoré Salif juste après le pénalty, il a eu mal à la cheville.
Donc voilà pourquoi on fait sortir Traoré Salif. Et Yaya aussi, on fait sortir Yaya. Parce qu'il est un peu court physiquement. Et on fait rentrer Saviola pour nous apporter un peu offensivement parce qu'on subit trop. Voilà, Mohamed Diarra Souba, le 29, va sortir. Le 29 est sorti. Le 30 plutôt est sorti pour le 29, oui. Voilà. Coup franc pour les garçons de l'ES Baffing. Et c'est maintenant que Saviola va rentrer à son tour. Oui, Saviola. Il va apporter par son expérience. Ah, ah oui, il aura donné. Ah ouais, là ça va faire quatre attaques, ça va faire deux attaquants. Hein, nominal. Hein. Dembélé et Saviola. Dembélé et Saviola, attention à l'Asie, hein, parce que Saviola, c'est l'expérience. Saviola se déplace beaucoup, beaucoup. Ça fait longtemps qu'il connaît son championnat. C'est bon match de Baba Yaya. Ah, Baba Yaya crédité, très très bon match. Bon match. Saviola qui avait tenté un essai au Racing Club d'Abidjan avant la Coupe la Ligue africaine des champions, il n'a pas été retenu au final. Ah, il fait un essai lui? Oui, il a fait un essai. On ne le connaît pas alors. Ah, pourtant il venait de la SEC, ancien de Dengele. Côté Asie, on va envoyer un ballon dans la surface de réparation. Voilà, Saviola. Contrôle de la semelle manquée. On passe à nos matchs à 10 ici, il faut éviter de contrôler de la semelle. Ousunana. Il a tenté le 1-2 avec Anouba. Ça sort par moment très bien. Hein, ça. Ah là, dommage, il a fallu que je le dise. Mais par contre. Les nouveaux entrants là. Ils ont fait une sortie, une touche de balle qui était pas mal. Kone Mouyabi, Bibo Donald. C'était agréable à voir jouer. Sangiso Nabil. Pour Aka Kwasi Yaboubaka. Kone Mazou. Diomande Moriba. Moriba dans le milieu de terrain. Il va. Allez, balle au pied, Meite, Nabil, Diabaté à la salle d'armes, changement d'aile. Contrôle encore de la semelle. Ouais, mais le ballon, la semelle, c'est pas. Bon, enfin, on va pas tout juste se répéter. Samassi, Fred, Samassi. On va jouer le 1-2. Anouba, il est bien loin là. Il n'obtiendra pas le corner. Il y a corner. Voilà. Ah, l'arbitre, il n'est pas d'accord avec son assistant et ouais. Il dit corner. Et c'est lui le maître du terrain. Il impose sa loi et il y a effectivement corner. Là, on va le voir au ralenti, là. Voilà, c'est lui qui le met le ballon en touche. Ah, il était d'une colère noire, Kofi Firmin, sur le coup. Centre d'Anouba, contrée. Dégagé par Kone Mouyabi. Dembélé pour Saviola. Saviola, dans la course, c'est parti, allez. Si allez, Dembélé, lève la tête de l'autre côté. Il y a une possibilité, Dembélé pour Saviola. Ah, il a été lent. Mais Dembélé n'a pas vite joué le ballon. Ouais, mais en même temps, c'est dans sa course. Hein. Il va passer pas un joueur qui est rapide. On va le dire. Ouais. Il est un peu fatigué. Avec ses grandes jambes non plus, c'est pas de la vitesse. Hein. Il est un peu fatigué. C'est des grandes enjambées, mais c'est pas de la vitesse pure. Donc, c'était un bon compte là à jouer, malheureusement pour eux. Ça s'est pas bien terminé. Attention, Asie, de ne pas se faire prendre en contre. Ouais. On vous dit qu'il y a la place côté Baffing pour mettre un deuxième but. On joue 60 minutes. L'ES Baffing à 1, l'Asie d'Abengourou à 0. Et attention, une faute bien située à l'entrée de la surface de réparation. Ah oui, il est rentré dans cette surface avec envie. Et prêt sur ballon, vous pouvez avoir un gaucher qui va chercher à bien placer. Non, mais le ballon est dans l'axe, hein, quel que soit le joueur, que ce soit un gaucher ou pas. Le ballon est carrément dans l'axe, bien placé. Un carton jaune. On a vu la pénétration de ce joueur. Amadou Traoré. C'est Kwame Issa qui s'est pris le carton côté Asie. Porte le dos à 15, ça fait 3 cartons côté Asie d'Abengourou. Et vous avez devant ce ballon Kone Mouyabi. Ancien milieu de terrain du stade d'Abidjan et de la SEC Mimosa. Parti à Mogadiscio City. Il est revenu.
en Côte d'Ivoire. Vous le reconnaissez par sa teinte de cheveux et sa paire de chaussures. Ça rentre. Il y a lui. Prête ce ballon. Et si Tionan Konaté. Chercher le cadre, faut chercher à cadrer. Pas chercher Oyabi. La force. Oyabi. Non, 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 non. Non. Oh là 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 là. Vraiment pas précis. Quitte à faire ça, je préfère un coup de pied franc. Voilà. Que ça frappe dans le mur, on ne sait jamais, ça peut être contré. Saviola. Ah, Saviola. Contrôle difficile, passe laborieuse. Pas encore entré dans le match. Hein. Saviola. Ah, là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Saviola, c'est pas le talent pur, mais c'est la volonté. Ah, Sitounan. C'est l'expérience. Sitounan. Adraman, qu'est-ce qu'il se donne dans ce match? Ousunana. Anoumba David Isaac, Anoumba, la passe pour Roussou, il faut changer de côté. Qui est fait vers Diarasouba, et sinon Diabaté à la Sanadamsa. On trouve Demande Moriba. Il faut coulisser pour Mazou, ce qui est fait. Ah non, c'est une touche. Ah là, ça c'est compliqué après, c'est compliqué. Ah. C'est compliqué, allez. Ça peut aller vite là. Regardez s'il lève la tête, il peut louper le gardien. Oh là là, l'autre. Ah là là. Il a poussé trop loin son ballon. Ah, c'est pas évident de rentrer dans un match comme ça. Ouais, mais ils ont des contres, hein. S'ils n'ont pas tué le match là, ah, si, ils auront les yeux pour pleurer. Si le buffing ne tue pas le match, au football, je vous ai toujours dit que dominer, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout dominer. Vous ne marquez pas sur un contre, vous vous faites surprendre. On fait un gros match. Gros match. Mouyabi. Va jouer dans la profondeur pour Saviola. Saviola, il va chercher peut-être son pied gauche parce que gaucher il est. Il est contré. Corner. Ouais. Saviola, il manque ce petit grain de vitesse. Hein, parce que là, c'est un bel appel là, qu'il fait. Mais après, derrière, c'est un peu lent. Il se fait contrer en grand écart. Hein, grand écart. Attention. Ah voilà. Aïe. Et si ça, le défenseur peut se blesser. Hein. Ouais. Il donne tout ce qu'il a. Pour empêcher le but. Ah oui. Bibo, Donald. La deuxième mi-temps, en tout cas, on se donne coup pour coup. Hein. C'est engagé. Là, ils vont contrôler encore le ballon, les garçons du Bafing. La bataille est rude pour la conquête de ce ballon. Demande Moriba. Mazoukone va-t-il temporiser? Il a battu à la Sanadams. Changement de côté vers Fred Samassi Ismaël. Anoumba David. Anoumba. Il y a le dédoublement de Samassi. Anoumba. Oussou. Anoumba va frapper au deuxième point de but. But. Oh, qu'il est beau. Quel but. Oh, qu'il est beau. Frappé intérieur droit après la passe de Oussou Nana. Et je vous ai dit qu'au football, dominé. Mais ça ne veut rien dire. Ah, but ouais. Mérité, il est bon le but de Anoumba David Isaac. Quel but d'Anoumba. Et on l'a vu là quand c'est par terre, voilà, c'est 1-2 là. Voilà, tranquille, le ballon est passé intérieur du pied, côté opposé. Très très belle frappe d'Anoumba David. Et ce match s'est décanté sur un coup de génie, voilà, d'Anoumba David. Et là le match il est relancé. On a encore 30 bonnes minutes pour voir qui de l'Asie et de l'ES Bafing va prendre ses 3 points, parce que je pense honnêtement qu'il y aura 3 points à prendre là dans ce match. Oui. Je ne sais pas de quel côté, mais il y a un deuxième but qui arrive. Le match est carrément le relancé. Quel beau but d'Anoumba David. Comme quoi. C'était une frappe bien enroulée. Hein. Très bien enroulée. Du Thierry Henry. Côté opposé, bien placé. Ah, les gauchers, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont bons quand ils frappent le ballon. Vas-y, ah là là. Ah, il a dû se déchirer là-bas. Konaté Sitounan. Ah, c'est terrible. Il a dû se déchirer là. J'espère. Maintenant, on va voir le côté moral de l'ES Bafing. C'est ça qui va faire la différence. Et du côté de l'Asie, hein, Firmin qui donne des consignes à Kwasi Eric. Monsieur, toi, tu viens en soutien. Lui, tu sors le ballon, tu es à côté de lui. Le reste, en attaque, moi je te laisse décider. Tu vois, un gamin, il a beaucoup fait les appels de balle. Donc, il faut le supplier un peu.
permets-lui de faire les appels de balle aussi, comme, pardon, de se reposer. Toi, tu vas faire les appels de balle, et puis lui, il va essayer de garder pour jouer en remise. Mais il ne faut pas jouer à l'arrêt, s'il te plaît. Hein, donne tout. Et Kwasi Eric, il va rentrer d'un moment à l'autre. Il va remplacer qui, à votre avis? Meïté Nabil? Parce que tel que c'est expliqué, Angama reste sur le terrain. Oui, c'est le numéro 9, je pense. Oui, Meïté Nabil. Meïté Nabil, non, Dembélé, non, Meïté Nabil plutôt qui va peut-être sortir. C'est vrai. Ah, Diomandé Moriba. Ah, c'est plus le même match. Ce n'est plus le même match. Faut aller devant le but, faut aller devant le but. Va-t-il jouer? Faut aller devant le but. Attention, Angama, la frappe est contrée, ça continue pour l'Asie d'Abengourou. But, voilà. but de l'Asie d'Abengourou. But mérité. C'est ce qui arrive au football. Quand vous avez des actions que vous ne marquez pas, eh bien, vous vous faites punir. Le latéral droit crédité d'un très beau match. Samassi Fred Ismaël qui permet à l'Asie de mener 2-1 au Robert Champoux de Marcory. Et il est allé jusqu'au bout de son action, ce latéral. Il faut toujours aller devant le but, c'est vrai. Tous les efforts qu'Angama a fait, ça a été payé là, grâce à ce compte. Mais quelle reprise de volée de ce latéral. Samassi Fred. Ah oui. Du plat du pied, il n'a pas cherché la flamme, la force. Juste placer le ballon. Voilà. Malgré, hein, malgré ce, l'adversité. Je l'aime au moment que l'adversité. Oui. Hein, il est allé jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est bien joué en deux minutes. L'Asie a renversé le match. Maintenant, on attend le côté moral de l'ES Bafin. Voilà, le match n'est pas encore fini. Ah, qu'est-ce qu'on se fait chicoter quand on donne soi-même la chicote. C'est là que ça fait mal. Vous ne pouvez pas avoir autant d'occasions en attaque et vous amuser avec. C'est comme si vous donniez une boîte de sardines à un chat. Il ne fera que manger. Et l'Asie d'Abengourou, plus réaliste dans cette deuxième période, mène logiquement. Et comme quoi, dans une équipe, ce n'est pas que les attaqués qui doivent marquer. Non. Tout le monde peut marquer, il suffit de suivre les actions. Ce latéral. Ah, Samassi. Samassi Fred a suivi l'action, il est allé jusqu'au bout de son action et il a été récompensé. C'est comme ça, c'est le football. Samassi, voilà. Les deux latéraux de l'Asie, Kone Mazou et Samassi Fred, ils sont dans leur match. Sans être flamboyants, ils font un match correct. Ah ouais. Quel retournement de situation de l'Asie d'Abengourou. Hein. Ouais. Moi qui dis qu'il ne marque pas que ses deux buts. Ouais. Ouais. Sauf qu'ils en ont marqué deux dans un match et puis après ils ont fait des 0-0. Voilà, là ils ont mis deux buts de belle facture. Et puis aujourd'hui encore deux. Je pense que c'était des buts d'action individuelle. C'est individuellement, voilà. La volée de Samassi et ce l'intérieur du pied de ce numéro 10 qui est Anouba David. Ouais. Deux jolis buts. Ah, Anouba, il a marqué, voilà. Un très beau but. Et ça, c'est vous avez vu que les remplacements faits par Kofi Firmin ont changé quelque chose. Hein. Oui, ça a apporté, il faut le dire. Il a apporté quelque chose. Ah, ouais, mais lui, qu'est-ce qu'il se bat? Angama. C'est pas toujours propre, mais bon, qu'est-ce qu'il se bat, voilà. Beaucoup de déchets, c'est vrai. Mais en même temps, on ne peut pas se dépenser autant sans avoir des déchets. Ah. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ES Bafin, rien n'est encore fini. Non, encore, il reste encore 20 minutes. Donc à vous. Maintenant, si le moral est atteint, ça va être compliqué. Nabil, le centre d'Nabil récupéré par Zombra Ousmane. Ah oui, c'est du gâchement. Loin devant, hein, il cherche à Saviola. Saviola. Il a pas de lui Aka Kwasi Aboubakar. Saviola. Il va protéger son ballon. Ah, il n'est pas dedans. Non, il n'y est pas. Il n'est pas dedans, Saviola. Il n'est pas dedans. Perd tous ses duels. Ballon récupéré, Situna. Côté ES Bafin. Ouais. Ça commence à ne plus passer là. Ça passe plus. Là, on sent une équipe qui est, voilà, qui est un peu. Qui joue maintenant à l'envers. Ils se sont fait prendre. Apparemment, elle est assommée. Hein, par ouais, voilà, exactement. Après, c'est ça le football. Voilà. Regardez. Ce que ne réussissait pas l'Asie. L'Asie réussit ça maintenant. On joue à une touche. C'est plus simple. Regardez. Et ça voilà. Faut-tu où, Sounana? Ah, un match de football. Il change très vite sur des détails. Alors que le Ghanéen Baba Yaya a envoyé de bons ballons. Fatigué, il est sorti parce que c'était son premier match en tant que titulaire. Et il est sorti, c'est terminé. Le jeu a changé. Oui, parce que c'est lui qui distillait ce jeu de l'ES Bafin avec ses touches.
Ah, ça peut changer très très vite au football. Et voilà, dès qu'il a le ballon dans son bras, non, il joue dans la profondeur pour son gardien, voilà, pour son attaquant. Voilà. Il ne cherche pas. Voilà, mais il n'a pas tout à fait tort. Hein. Il n'a pas tort, il a raison. Il fait en sorte que le bloc reste très haut, concerné. Il ne monte pas suffisamment. Comme quoi, il joue avec ses qualités. Oui, oui, oui. C'est ce que vous dites depuis. Il faut jouer sur des qualités. Voilà, c'est pas une équipe qui sait ressortir les ballons. C'est, voilà. Donc, tant qu'à faire, vaut mieux la mettre devant. Puis après. Ce que vous savez faire, faites-le bien. En gamma. Ah, là, Zita Benguru. Ballon récupéré. Et Diabaté Alassane Adam, c'est là. Pour essuyer ces ballons qui traînent. Celui-là. Quand Oussou Nana n'y est pas, lui, il y est. Oussou, voilà justement Oussou. Dans la profondeur pour Samassi. L'auteur du deuxième but de la Zita. Il faut prendre le carré. Samassi, le centre. À la retombée. Il y avait il aurait pu continuer encore. Là, cette deuxième mi-temps n'a rien à voir avec la première parce que là, on sent un match qui est engagé. On se rend coup pour coup. Voilà. Là, il cherche un coéquipier à qui remettre le ballon. Non, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'appel. C'est compliqué. Ah, il va dégager. Et c'est pour l'adversaire, tranquillement, Mazou. Mazou vers Diabaté. Lui, il se fait plaisir avec ses contrôles orientés. Il a décroché et il laisse. Oussou, non, un peu en avant. Mazou, Meïté Nabil. Alors lui, son coach ne va plus vouloir le sortir. Meïté Nabil. Il est là, hein. Il est concerné par le match, lui. Là, il est encore sur l'heure de jeu. Il va faire l'effort de se relever. Faute sur Kone Moyabi. Possibilité donc de relance pour BS Bafing. On joue en attaque vers Dembélé. Ça, c'est bien joué. Dembélé. Bien. Attention à ce gamin. Il est tout seul. Attention. Il m'a l'air d'être émoussé. Il est tout seul. Il m'a l'air d'être fatigué. Attention à SMS Bafing de ne pas prendre. Il me semble qu'il peut avoir un troisième but dans l'air. Faut pas donner l'opportunité à l'adversaire de faire de vous ce qu'il veut. Le centre de Diabaté à la Sana Dams pour Samassi. Ça lui a donné des ailes, ça. Ah oui. Angama. Ah ouais, c'est compliqué, Angama. Sous Samassi qui va résister à la pression de Bibo Donald. Ballon récupéré. Kone Moyabi. Konaté Mustapha. Mustapha dans la profondeur pour Saviola. Va-t-il récupérer le ballon? Oui. Ouais, il a fait un effort, mais après. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'il en fait le ballon? Voilà, Saviola. Compliqué. Ah, c'est difficile. Moriba. Pas dans le rythme. Oussou Nana, ah non. Pas dans le rythme, Saviola. Par contre, les remplacements de l'ES Bafing, j'ai l'impression que ça puce. Fait descendre l'équipe. Fait descendre le niveau de l'équipe, contrairement à celui de l'Asie. Ça veut dire que ceux qui étaient là, c'est la vraie équipe de l'ES Bafing. La vraie équipe type. C'est pas dommage, il ne doit pas avoir une équipe type. Donc, vraiment. Il peut passer. Et la passe à la. Ah, il fallait la faire. La faire sortir un peu pour que le joueur de l'Asie la reprenne. Il n'y a plus d'équipe. Bafing, ils n'y sont plus. Là l'Asie peut assommer l'US Bafing. Ils ont pris un coup à la tête. Meïté. Ils ont pris un coup à la tête. Nabil Meïté. Nabil, il va jouer sur Anouba. Il lui redonne le ballon. Lui, il est encore dans son match, Nabil. Nabil, il est encore dans son match. Konaté, Mustapha, Godo Kwaku. Du côté de l'ES Bafing aussi, il y en a un qui a baissé un peu le rythme, là, c'est Konaté Mustapha. Ah, il est épuisé. Ouais. Celui qui récupérait tous les ballons aujourd'hui, on le voit de moins en moins et ça joue sur son équipe. Mustapha Konaté, c'est numéro 6. Mustapha quoi, et Dembélé. Et quoi, on voit moins. Ah ouais. Elle n'est pas facile cette ligue. Hein. C'est Ligue 1. L'ONACI officiel, sponsor. Ah. C'est pas évident. Heureusement pour les joueurs. La septième et dernière journée de la phase aller, c'est dans une semaine. Voilà, ils peuvent avoir un ou deux jours de repos, reprendre des entraînements. Et pour ceux qui voyagent, prendre le chemin. Attention à Nouba. 7 journées aller, 7 journées retour, ça fait 14 journées.
Anouba qui n'avait pas eu l'accord du quatrième arbitre et qui est rentré, on l'a fait ressortir tout de suite. Vous n'êtes pas concerné, monsieur sorti. Mais il y a Agama, il allait changer ses chaussures. Agama. Oui, oui, justement. Et Anouba revient. Donc finalement, ils sont à 10, ils étaient à 9. Là, on s'est épuisé à jouer à ce rythme là. Le Sbafing, Bibo, je suis Dembélé. Oui, vraiment, il s'est battu dans ce match et il va commettre la faute. Un gamin a rejoint le groupe. Tant mieux. 13 minutes à jouer. Non, il n'en peut plus. Hein. Et l'Asie qui s'apprête à faire deux remplacements. Il est cuit, là. Il est cuit. Il a forcé de 60. C'est pas le même Nana Ousu qu'on a l'habitude de voir. Là, il a forcé. Il a tout donné, comme on va dire. Il est fatigué, autant de sortir pour éviter une blessure. Il y a une septième journée à disputer. Et je rappelle que l'Asie d'Abengourou sera face au FC San Pedro. À la septième journée. Je pense qu'ils vont profiter pour remplacer Meïté Nabil qui est couché là. Voilà. C'est le moment de le sortir. Il faut en profiter. Oui. Voilà. Moi je pense qu'on sortirait Meïté Nabil et Ousu Kona qui ont tout donné. Hein. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà. On va écouter Firmin. Il y a des changements en vue là. Oui, il y a des changements effectivement. Il faut mettre du 109 parce que déjà Moriba il est cuit. Regardez, voilà. Moïba est cuit, donc il faut faire entrer, comment il s'appelle là, le petit Biti. Voilà, et puis après, remplacer aussi Nabil pour qu'il y ait du sang neuf pour nous aider un peu dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut aller. Quand on doit mettre trois, on met trois, hein, les gars. Demandez Moïba, on va centrer de l'autre côté vers Anouba. Faute d'Anouba. Mauro Abdoul Kader. Côté Azida Bengourou va faire son entrée ainsi que Biti Franck. Konaté Sitionan. Qualité d'un bon match aussi lui aujourd'hui. Défense centrale de l'US Bafing. Akwe Kofi. Godo Kwaku. Long ballon dans la défense de l'Asie. Et il se bat bien. Il s'est aidé de ses mains et il a commis la faute. Il y a un retour d'enjeu, je pense. Oui. On a dépassé la 75e maintenant, même on est à la 80e, plus que 10 minutes à disputer dans cette opposition où l'Asie mène 2 buts à 1. 10 minutes pour l'Asie de Teni et 10 minutes pour l'US Bafing d'essayer de revenir au score. Ah, l'Asie qui nous a tellement habitués au nul. On n'était pas loin encore. Hein. Ah oui. Mais là, ils ont montré ce petit côté moral de cette équipe. On a décroché à gauche, voilà. Ça, c'est le chic des gauchers. Ils vont avec vous à droite et puis vous désarçonnez sur la gauche. On a été situé dans un long ballon devant pour Dembélé Souleymane. Qu'est-ce qu'il aura couru aussi, ce Dembélé Souleymane, malheureusement, tout seul. Il n'est pas aidé. En jeu. Ah, on ne dit que rien. Ah ouais, Gama Romeo lui aussi. Non, il n'a plus de lucidité, c'est tout à fait normal. Ah, il est fini. Il n'a plus de lucidité là. La fatigue. Ça. Mouyabi. Borkonate. Ibo Donald. Va revenir sur Sitiona dans la profondeur. Faute de. Ah, il commet beaucoup de fautes, hein, Saviola. C'est très très limite. Je sens qu'il manque de rythme. Ah, c'est difficile. Ouais. Ah, c'est difficile. Comment revenir au score dans ces conditions? Diabaté Alassane Adams a joué ce coup franc. Déviation vers Angama Romeo. Angama Romeo. Il va continuer de se battre, lui. Konaté Mustapha. Konaté dans la profondeur.
Kone Moyabi. On va jouer vers Kone Moyabi à nouveau. Ah, les entrants vont-ils faire la différence? Moyabi, le centre dans les airs. Sanguisso Nabil se saisit du ballon. Oui. Lui, il a stoppé un pénalty à son entrée. Ouais, ça lui permet de faire respirer un petit peu sa défense. Ouais. Même s'il y a lui, j'en ai suivi, mais bon. Il est dedans. Anouba. C'est raté là le dégagement. Yes Bafing, Traoré Amadou, Kodo Kwaku. Tous les ballons, on les envoie loin devant, on cherche Saviola. Alors que techniquement, il n'est pas doué. Mais bon, il se déplace bien. Attention, attention. Dans la défense. Non, non, non. Ça, non. C'est osé. Ah là là, c'était cadré. C'était cadré. Dembélé, Dembélé Souleyman. Dembélé. Va-t-il jouer? Voilà. Il pouvait jouer, il pouvait remiser. Perdre un ballon comme ça, c'est un peu léger. Ah, on a vu une belle frappe. Hein. Moi, j'ai dit non, mais bon, il a fait une belle frappe. Hein. Ah oui, ah oui. Bien tendu, cette frappe. Ouais. Si on pourrait la revoir. Ça nous a permis de voir. Et l'Asie qui va en profiter hein, pour faire entrer. La détente de Sanguisso, Nabil. Voilà, voilà, voilà. Belle frappe tendue. Hein. Tendue. Sanguisso, Nabil. Serein dans ses cages. Il a fait une bonne entrée. Liti et Kader qui vont entrer du côté de l'Asie. Liti Franck est demandé Moriba à sortir. Soumaro Abdoulkader. Soumaro Abdoulkader qui va rentrer côté Azida Benguru. Et il y a Kofi Firmin qui a demandé de continuer, hein, que d'attendre d'abord après l'action du coup franc, il va pouvoir faire entrer ses joueurs. Peut-être pour ne pas déséquilibrer le système hein, défensif. Ouais. C'est de bonne guerre pour lui. En même temps, ça permet de distraire l'adversaire, de faire comme si on va faire un remplacement finalement qu'on ne fait pas. Regardez ce... Voilà, il va faire l'effort et sortir Diomandé Moriba. Voilà, remoise Bibo. Bibo va frapper. Cette fois-ci, c'est pas cadré. Il va mettre à mal même une des caméras. Mais elle tient bien sur son trépied. Sortie numéro 2. Nabil Melty. Entrée numéro 20. Voilà, Meïté Nabil, d'ordinaire remplaçant. Titulaire aujourd'hui, il a beaucoup bougé, beaucoup bousculé. Ainsi que Moriba qui est sorti de l'autre côté. On va voir si leur entrée ne va pas bousculer un peu l'organisation de cette équipe d'Asie. Ouais, parce que plus que 5 minutes à tenir. Ouais, côté Bafing, les trois rentrants. Fait baisser le niveau à notre goût. Cette équipe qui avait vraiment qui montrait de bien meilleures dispositions, qui aurait pu même marquer 2-3 buts que personne n'aurait cru au scandale. Elle n'a pas cadré. Et l'Asie a repris confiance. Après l'égalisation, a mis un deuxième but. Voilà numéro 20, Betty Franck. Diabaté. Oui. Samassi, belle amorti sur Anouba. Diabaté Alassane, il a régulé ce jeu de l'Asie. Commencé faiblement. Il a commencé faiblement, mais il finit fort, ce milieu de terrain. Nana Oussou aussi a commencé à. Ouais, même si ce n'est pas parfait, mais on le voit mieux. Ouais, Oussou nous a montré une bien meilleure copie hein, sur d'autres matchs. Mais là, il fait juste ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut. Et coup franc pour l'Asie d'Abengourou. Il a l'opportunité de relancer le jeu. Dans l'indemnité de Joabin, ils doivent être heureux de
voir leur, leur équipe mener au score. On va envoyer loin devant. Anib Lekrou à Bengourou. Bétier, attention, lui, c'est ce qu'il sait faire. C'est bien joué. C'est bien joué de la part de Saviola. Ah là là, le ballon reste à l'époque. Non, non, c'est fini. C'est fini. Il va se mélanger les pinceaux, ce joueur, Traoré Amadou. Quelque chose de bien à tenter, là. Ah, c'est fermé, là, c'est fermé. Bibo, Donald. Attention, attention. Attention. Ah là là. Ah, il aurait pu surprendre l'Azida Bengourou. Attention. Le gardien était couru sur cette sortie. Sanguisso. Il n'a pas bien lu la trajectoire de ce ballon. Gardien voilà, on le voit, il a failli se faire prendre là. Voilà. Malheureusement, c'est pas cadré. Sinon, il y aurait eu 2-2, il n'y avait rien à dire. Et côté Asie, ils vont comprendre qu'il faut commencer, il faut continuer d'envoyer ce genre de ballon-là. Le gardien, vous êtes souvent dans les airs comme ça. Il faut donner de la voix et vous sortez sur le ballon. Ah, Diabaté, Alassane Adams. Ah, il ne se couche pas souvent, hein, lui. Couche pas souvent, et si vous le voyez par terre comme ça, il a dû prendre un coup. Très bon milieu défensif. On en a hein, de bons comme ça dans le championnat. Oui, en milieu défensif, il y en a de très bons. Jetta Davila, prêté au Stella, 1m90, numéro 24. On a ici Diabaté Alassane Adams, on a Ricky Ansnieba. On a Kaïsis Baudelaire à la sec, Sengoné Tosita, OFC San Pedro, on a Seri Nyolba Edmond Narcisse. Bon, on pourrait citer comme ça les milieux défensifs qu'on a dans le championnat. Oula, 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 oula. Le pied levé, Dembélé, Suleiman, sur Samassi. Samassi, voilà. Il a profité pour casser encore le rythme. Ah oui. Voilà. Et c'est des bonnes guerres. Ah, c'est l'équipe belle. Ouais, c'est des bonnes guerres parce que là, il ne reste qu'une minute. Ah, attention, il a fait j'ai un jaune, non lui. Mais il était. Ah, c'est le numéro 9 de Les Baffing. Carton jaune. Il n'avait pas de jaune avant. Non, 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 il n'avait pas de jaune. Ah oui, parce qu'en voulant noter, je suis tombé sur le numéro 9 de l'Asie. Mais Meïté Nabil qui est sorti et j'ai vu carton jaune. Ça m'a fait hésiter tout de suite. Là, plus que quelques secondes pour boucler les 90 minutes. Robert Champreau. Maintenant, on attend de voir. Peut-être qu'on aura 3 minutes d'arrêt de jeu. Je dis bien peut-être. Quand ça sera fixé, il nous dira Khalil. On a bouclé les 90 minutes. Et ce sera 2 minutes hein, pour le temps additionnel. Ah, j'ai été gentil de dire 3 minutes même. Deux petites minutes à résister, à tenir. Côté Asie. Eh oui, et ce sera le travail minimum hein, qui va valoir 3 points pour l'Asie. Peut-être qu'en fait l'Asie va prendre ces 3 premiers points. 3 points grâce à une victoire parce que le club avait déjà 3 points consécutifs à 3 nuls. On a profondeur en Gaman. En Gaman, il va jouer sur un des nouvelles entrants. Anongba. Joue avec Biti Franck. Samassi. Je pense qu'ils vont faire circuler le ballon pour gagner du temps. Mazou, Akakwasi. Non, non, ça c'est non. Pas bien joué. Ça c'est pas bien pensé. Il fallait continuer de faire. Continuer à garder le ballon. Ah, il fallait lui gueuler dessus. Et monsieur, c'est pas ce qu'on a décidé de faire. Attention, regardez, hein. Regardez. Attention. C'est trop léger. Biti Franck. Biti. Franck Biti. Oh là là. Vous voulez mettre votre corps en opposition. Soyez sûr que physiquement vous êtes prêt. Autrement, vous allez vous faire. Harakiri. Parce que l'adversaire va vous montrer que c'est lui qui est là. Et
Le Sbafeng qui continue de mettre la pression et qui va obtenir un corner. Le corner de la dernière chance parce qu'on a bouclé les 2 minutes additionnelles. Et là, il faut s'appliquer. Va-t-on voir un but à la Konaté Karim? C'est Sitoni qui va venir. Dernier instant. Voilà, ah, en deux temps. Ça, c'est pas bon. En deux temps. Voilà. Ouais. Et c'est terminé ici au Robert Champroux de Marcory dans la poule A pour le démarrage de cette 6e journée. Qui profite à l'Azi d'Abengourou. Victoire des Princes de l'Indénier. 2-1 devant les garçons venus du Bafing, du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Enfin, Kofi Firmin et ses garçons réussissent à gagner leurs 3 premiers points, réussissent à gagner un premier match. Oui, une victoire au forceps, hein, on va dire, ils étaient menés 1-0 et ils ont su revenir de très très belle manière avec 2 jolis buts, on va le dire, hein, de celui de Anouba, ce petit intérieur côté opposé qui élimine ce gardien Dombra qui a fait un bon match, mais malgré ça, le ballon était tellement bien placé d'Anouba David que on n'avait rien à dire. Donc, victoire assez méritée de l'Azi d'Abengourou. Anouba David, justement, il est avec Adam Khalil. Oui, il va nous expliquer. Anouba, c'était un bijou, hein, la frappe enroulée que vous réussissez. Comment, techniquement, vous expliquez cela? D'abord, je veux rendre gloire à Dieu. Et c'est grâce à lui que ce but est venu. On a l'habitude de travailler sur ces genres de situations à l'entraînement. Et j'ai l'habitude de marquer. Aujourd'hui, j'ai pris mon initiative et voilà, le but est arrivé. Je dis merci à toute l'équipe, merci au coach qui m'a fait confiance et voilà. Merci pour la victoire. Est-ce qu'on peut penser que l'Asi va continuer comme ça sur cette dynamique et cette victoire va créer le déclic pour votre équipe? Oui, pourquoi pas. Nous avons l'effectif pour pouvoir titiller les grands et je pense que ça va venir. Nous allons entrer au labo, continuer de travailler parce que rien n'a encore fait. Nous allons travailler pour pouvoir revenir encore plus fort et pourquoi pas battre le Saint-Pédro FC. Ton bijou, là, tu vas le dédier, hein, tu vas regarder la caméra de Kaba, sur A plus y voir, tu vas le dédier à quelqu'un de bien précis chez toi. Je dédie ce but à ma mère, qui me soutient depuis mon enfance. Je lui dis merci pour toutes ses prières. Je lui fais un gros bisou. Merci. Ah, c'est pas courant de voir un garçon dire je fais un bisou à maman. Bisous à maman, à toutes les mamans qui nous regardent. Merci de nous avoir suivis en 2e heure sur Canal Plus Sport 1. Vous aurez le gros match USC Bassam Africa Sport d'Abidjan. Nous, on se reprend demain sur A Plus Ivoire pour terminer cette 6e journée avec Racing Club d'Abidjan, Bouaké FC. Il aura le trophée d'homme du match. A plus sur A Plus Ivoire.